On laisse tomber le bras va suivre. Je laisse tomber le bras va suivre. 1, 2. J'ai remonté ma garde parce que j'ai fait mon blocage. Mon kelly. Mon bassin qui reste de face. Mon bras qui a préparé ici le blocage. Qui vient bloquer. Le corps qui s'ouvre. Le corps qui se ferme. Toujours ma garde à droite. Et pour terminer mon mouvement, je vais décaler un peu mon pied droit ici. Et je vais retourner le bassin pour, en ouvrant le bassin, maintenant libérer un coup de poing visage. Et je reprends. On se le refait. 1, 2, 3, 4, 5. Décale, bassin fermé. On ouvre. Et on revient. Encore une fois. 1, 2, 3, pause. 4, pain, décale et frappez. Ça marche? On se fait ce travail-là, côté gauche, côté droit, si vous voulez bien. Comme dans le Renzoku, pas la peine d'aller vite, encore une fois, pour ce soir. Pas la peine d'aller vite. On y va. On est tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reprends ma garde, jambe droite devant et je continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On essaie de se faire ces 12 mouvements, ces 12 sensations, comme ça, sans s'arrêter de façon fluide. Chacun son rythme. Encore une fois, pas la peine d'accélérer, mais visualisez bien ce qui se passe en face de vous. Visualisez que l'attaquant, il est en train de faire Tsuki, Tsuki, il bloque votre Nagiri et il vous rentre Gakutsuki. Okay? Il fait Tsuki, Tsuki, il bloque votre Nagiri et il rentre Gakutsuki. On y va. Gauche. Pam, 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 pam. Et on passe. 1, 2, 3, 4, 5. À dégager. De ce côté, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on passe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On suit comme ça, on s'amuse tranquillement à ce petit jeu-là une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Le partenaire a bougé, je lui en mets de position par rapport à lui et je continue. Il attaque, je frappe, je bloque. Je lâche. Ça roule? Ok.